Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia. Je vais vous donner mon avis sur la news qui est tombée aujourd'hui concernant le nouveau portail de Hawks. Avant toute chose, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me dire votre avis dans la barre de commentaires. Sur ce, on commence. Vous le savez que il y a quelques jours, je vous avais annoncé que Hawks allait sortir. Ça a été confirmé aujourd'hui avec la mise à jour et la maintenance qui a duré environ 6 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et ils nous ont bien confirmé que le perso allait arriver pour demain. Maintenant, les seuls problèmes qu'on a, c'est que on n'a pas de croix femme. Faut-il l'invoquer ou non? On va aller voir ça de suite. Dans les news. Ok, ils ont prévu pour ce personnage. Enfin, ils ont dit que pour ce personnage, ça sera un personnage à longue distance. Le problème, c'est que on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On ne sait pas comment ils vont l'adapter. On sait juste que ce sera un perso à longue distance. Du coup, ça sera le premier perso S à longue distance, il Denki. Ah, ok. Ils nous ont sorti une nouvelle unité, c'est cool. Et en sachant qu'il nous faudrait 2500. Il nous faudrait quoi? 2500 invoqués à chaque fois? Faire une multi, ce qui fait qu'il nous faut 25 000. Les free to play, ils sont plus ou moins morts. Ce personnage, pour ce petit personnage qui va bientôt arriver, qui est dommage, qui d'ailleurs est dommage parce que le personnage est un personnage très attendu, même s'il y en a beaucoup qui attendaient Dabi. Ok, et du coup, survival, ok, enfin, il a de bonnes statistiques. Mais voilà. C'est un perso type speed. Du coup, il sera squishy, et généralement squishy. Du coup, pour invoquer, les gars, attendez, attendez de voir quelques tests. Attendez que les grosses whales invoquent là-dessus, qu'ils fassent des tests sur YouTube, parce que moi ça m'étonnerait que je drop, même si sur la pitch je suis quasiment à 79, on va dire qu'il me faudrait 21 multi, enfin 21 single. Ok, petit crash, c'est cool. On va pas se mentir, on a vraiment pas grand-chose à farm. On n'a plus rien à prendre dans le mode solo. Et du coup, je dirais que pour les free-to-play, vraiment que pour les free-to-play, et seulement pour les free-to-play, c'est un portail à skip. Parce que, vu que ce. De mon point de vue, vu que ce sera un perso comme Denki, vu que ce sera un perso à longue distance, mettre les personnages à terre va être très dur avec ce type de personnage, je pense. Même si on n'a pas encore de gameplay. Comme je vous l'ai dit, on verra d'ici demain ou après-demain avec les grosses whales comment ils vont. Quand ils vont invoquer, on verra ce que ça va donner quand ils vont donner leur avis sur le gameplay et tout. De toute façon, on pourra le tester avec son événement spécial qui est lié au portail. Avant d'invoquer, je verrai par moi-même ce que ça donnera. Je vous préparerai une petite vidéo tranquillement. Excepté ça, à part créer de nouveaux comptes, enfin de nouveaux serveurs, je ne vois pas comment on pourrait invoquer sur ce portail.
Comme je l'ai dit, pour les free-to-play, attention, n'invoquez pas là-dessus. Je pensais pas qu'en fait qu'ils allaient le mettre à long range. Du coup, je suis un peu déçu pour ma part. Du coup, on verra d'ici demain comment le perso sera adapté. Avec le petit test du personnage maxé dans son événement. Excepté ça, j'ai rien à rajouter. Le perso arrive bientôt. Du coup, que la chance soit avec vous, vu que c'est un jeu de chance. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'invoquer, économiser pour un meilleur portail pour Dabi ou pour le million ou pour autres personnages overall qui seront largement plus attendus et plus appréciés, je pense, par la suite. En espérant qu'ils respectent les personnages, leurs dégâts, leur résistance, etc. etc. Je vous dis ciao, à la prochaine, prenez bien soin de vous, et peace.